Re les petits potes, du coup, j'ai fait l'heure tout seul parce que je voulais pas non plus que ça dure longtemps. J'ai quand même un petit peu, un petit peu galéré même après le record. Donc je voulais pas trop embêter tout le monde avec une demi-heure de horde. J'ai réussi, mais j'ai vraiment galéré. C'est vrai qu'ils ont sur cette horde-là, ils ont vraiment pas blagué. Hein. Putain, qu'est-ce qu'elle est énorme! Franchement, il doit y avoir facile. Pas mentir, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Il doit y avoir au moins 600, voire plus de 1000 zombies. C'est. Waouh! C'est hallucinant. Après, j'ai trouvé l'astuce finalement. Il y a un moment, j'ai réapparu. Ils m'ont pas mis la horde complète. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont vu que j'ai fait plusieurs tentatives? Ils se sont dit, bon, bah, du coup, on va lui. Entre guillemets, lui baisser la horde. Ils m'ont laissé à peu près. Ouais, la moitié. La moitié, j'étais en dette de munitions. Donc, du coup, j'étais au camp. Qui était juste à côté, j'ai pu me refaire en munitions. Et quand je suis revenu ici, bah du coup j'étais tranquille parce que la horde n'avait pas bougé niveau santé. Donc je pense que ça peut être une bonne astuce. C'est-à-dire qu'on peut se barrer au camp, on peut largement se barrer au camp, prendre des munitions, Putain de revenir et merde, taper la horde. Derek. On dirait bien que j'ai raté la fête. Ouais. La prochaine fois, je conduis le camion. Et tu tapes les mutants. Ok, mec. Ok. Va te garer là-bas. Ouais, ça marche. Voilà, c'est bon. Retourne au camp. Je te rejoins sur place. D'accord. Et Boozman. Conduis doucement. Qu'est-ce que tu crois? J'ai envie de m'envoyer en l'air. En plus, c'est pas mal parce que ça a permis de. En plus, ah oui, non, ce qui m'a sauvé la vie au niveau des munitions aussi, c'est d'avoir une caisse de munitions derrière la moto. Du coup, j'ai pris la bécane, j'étais un petit peu plus loin, j'ai pris ma petite caisse de munitions à l'arrière et ça m'a énormément sauvé la vie. Oh, ho, 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 SMP9. Yes, baby, c'est celle-là que je voulais en plus. C'était la plus puissante. Magnifique, magnifique. Bon les gars, Hey Dick, comme t'es là? d'habitude, n'oubliez pas de laisser votre petit Salut like, Ricky, ça qu'est-ce fait qu'il un y a? plaisir pour moi. J'ai Même si je encore des sais qu'il y en a réparations certains à qui faire regardent sur mon pas du tout camion les et let's play Days Gone. je te ferai signe dès qu'il sera prêt. Mettez au moins votre petit j'aime, Merci. c'est important pour moi. Merci. Je me tiens prêt en attendant. Dick, t'es sûr de vouloir faire ça? Ils vont se pointer, Je pense que Ricky. j'ai assez À moins qu'on les de. descende avant. Ouais, t'as J'ai raison. assez d'oreilles Terminé. pour pouvoir gérer comme il faut. On y. On va quand même taper une petite sauvegarde. On va aller au camp. Et normalement, si je revends. Parce que tout à l'heure, justement, j'ai revendu un petit peu. J'ai gagné un peu d'XP. Oh, tout le monde drift. Et normalement, je devrais passer mon level. Ah, attends, il y a un défi comme ça. Avec la glace, il y a peut-être moyen de le faire. Ah non, ça n'a pas voulu. Le dev, je sais pas si vous savez, vous avez une astuce pour le défi. Oh, votre moto est bloquée. Ok. L'astuce, faire du drift. De drift plus activer le nitro pendant 5 ou 10 secondes. J'essaye tous les moyens possibles, j'ai jamais réussi. C'est plutôt intéressant, merci. Hop. Ça nous fera ça en plus à vendre. Je pourrais donner ça à un des camps. C'est vrai que j'ai pas été encore voir au niveau du cuisinier tout ce que j'ai ramassé depuis, j'aurais pu me faire de la vente. Bon, on y va, guêpe. J'espère qu'ils vont nous laisser au moins nous armer un petit peu avant d'aller directement. Ouais, non, j'ai peut-être pas l'impression. Là, ils vont nous mettre de nuit, ils vont dire, allez les gars! On se motive, on va attaquer. Je sens que ça va être sale. Apparemment, tout est prêt. Ouais.
Et qui a tout connecté au volant? On avance jusqu'à la porte principale, on saute. Et adieu la milice. Ok, bon, t'es sûr de vouloir faire ça? Parce que ça fait quand même une sacrée route avec un seul bras. Trop duc. Écoute, Bowser, on sait tous les deux que c'est peut-être qu'un aller simple. Ouais. Je conduirai pas au retour comme ça. Un peu que c'est ce que je veux. Oh, et une dernière chose. Ah, sa veste. Y a pas 36 motards qui risqueraient un coup aussi dingue. Juste nous deux. Ouais. Alors, on y va ou pas? Et comment? On dirait limite des adieux. Serait-il la fin? On dirait Ricky vieux finalement. Quoi de neuf, Dick? Jolie veste, ça te va très bien? Ricky, allez. Je vous remercie, mais Bowser et moi, on a quelques trucs à régler. Tout le monde vient. Les nouvelles vont vite. Ton petit discours en a inspiré plus d'un, Dick. Avec la petite musique. Tu arriveras pas tout seul. C'est dingue. T'en fais pas. Ils le font pas pour toi. C'est de la folie, là. Ils le font pour lui. Ok, écoutez, c'est pas compliqué. Bowser et moi, on va attaquer la porte nord et la faire exploser. Tous se poster à la porte sud vont remonter. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est suivre Ricky. Ok, on est prêts? Et vous deux, vous êtes prêts? Écoute, je t'appelle dès qu'on frappe le pont. Faites rien avant mon signal. Entendu. Ok, c'est parti! On recharge pas les munitions ni rien. Musique d'action. Ah non, ils l'ont coupé. Oh, ça a été violent jusqu'à la fin. Oh, vas-y, je suis à fond dedans, mec. Oh là 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 là. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. On va tout défoncer. L'autre colonel, on va lui faire un quatrième trou. À fond là. Hey, Bowser, faut qu'on saute! Hey, Bowser, faut y aller! C'est notre seule chance, mec! Putain, Bowser! Vas-y, récupère ta femme. Il va sacrifier. Mais non, le con! Elle a fait ça. On pouvait largement sauter en plus.
Allez, pour Boozer. Boozer, pourquoi t'as pas sauté? T'aurais dû sauter. Boozer. Oh putain de merde, Boozer. Oh, c'est pas vrai. Oh, je vais tous vous buter. Tous jusqu'au dernier. Oh, putain de merde. Ok, me ramasser. Ah, j'ai pas eu le temps. C'est fermé. Vite, remontez au niveau supérieur. Allez. En avant. Allez. Remontez, commencez à poser les charges. Bougez-vous, putain. Allez. Schizo, on va te mettre une balle entre les deux yeux. C'est aussi à cause de lui qu'il est mort en plus, Boozer. Cette pourriture de Schizo. J'arrive, Schizo. Ok, employez la manière forte. Le sommet. Il faut que je réussisse à atteindre le sommet. On en parle des balles qui veulent pas y aller. De ramasser les trucs à créer. Ça pourra servir. Ah, sniper, il doit être sur la tour. Ça va, comme à vue, elle est quand même précise, cette arme-là. Il faut que je contourne ces types. On contourne rien du tout, nous. À cause d'eux, Boozer, ils sont morts. On va le venger.
Et voilà mon gars. On en parle de comment il s'est relevé en mode moonwalk. Par contre gars, mon casque c'est un mastodonte ou quoi? Il a pris son casque. Et va. Tu m'entends? Dick! On les a eus! On les a eus! Dick! Dick! Ricky! Oh, j'y suis. Tiens bon, Sarah! Chien! Ok. Dépêche-toi. Ta gueule, tu veux que je nous fasse sauter? Putain, t'entends ça? Grouille-toi! Voilà, c'est vrai. Ok, il y en a combien? Assez. On va voir le colonel, viens! Eh ouais, mon gars, le colonel, on va le prendre, on va le dérouiller. Sarkozy, vous me recevez? Non. Faut qu'on le mette mal en pleine tête, ça serait bien. Combien vous avez posé l'explosif? Oula, on a beaucoup de trucs quand même là. Pour récupérer le détonateur. Surveillez l'entrée de la grotte, compris? Laissez passer personne. Oui, oh. Compris. Personne n'entrera. Des artigueules. Et arrêtez d'utiliser ce putain de canal. Il est peut-être compromis. Schizo. Putain d'enfoiré. Trois explosifs. Bon, faut que je les trouve. Ah ouais, on est blindé niveau mine, ça pue ça. Il a l'air sacrément usé. On va recharger un bloc. On a le Deagle. Ah, par contre, il a pas beaucoup de balles. Voilà. Il faut que je le désamorce. Ok. Ils sont. Wouah, la cadence de tir en plus. Violent. J'arrive, Schizo. Attends-moi, les gens. C'est cool.
Oh, que c'est bon. Oh là 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 là. Deux balles. Hein. On n'a pas le temps, nous. Par contre, je trouve que de loin, il peine énormément même. Galère que c'est, gars. Et d'avoir une dispersion de balles qui est un peu dégueulasse, je pense. Pour ça, je dis que la TMP est quand même mieux. Il est quand même pas mal, on va pas se mentir, il est pas dégueu, il est vraiment pas dégueu. C'est un deagle quoi, mais bon. Attendez, parce qu'il dit qu'il y a une bombe en haut. Je serais passé devant sans la voir. Ok. Non, du coup on est bon. Quand même guetter là, il serait pas un objet à ramasser. Font mal avec leur batteuse quand même. Hein. Bah écoute, je vais reprendre ma batteuse en plus. Vu que je suis plus de. Ah ben non, non, c'est un pistolet. Non, j'ai rien dit. Des conneries. Allez, lieutenant. Il est où ce putain de détonateur? Ne va te faire foutre. Je resterai pas coincé ici. Weaver, tu sais qu'on fait que suivre les ordres. Ça marche comme ça. Il est où, putain? Je te conseille de me libérer. Oui, espèce d'enfoiré. Merde. Hey,
Weaver, tirez-vous en vitesse! Allez, dépêchez-vous! J'ai du monde qui sort de la porte nord, allez-y! Tu n'as jamais l'affaire, enfoiré! Jésus, ce que t'avais fait, Nick! Jésus, t'as franchement rendu service au monde! Mais je parie qu'Iron Mike n'a pas vu cette taille! Ouais, peut-être du resto au fond. C'est pas grave, on va retenter. Je pense qu'on va peut-être rester ici. Est-ce que ça marche, on reste là? Ça a l'air. Ah mais t'as pas toute la mêlée, t'en as qu'un qui tire en haut. Tant pis, on va descendre. On va vraiment essayer de gérer. Weaver, tirez-vous en vitesse! Allez, dépêchez-vous! J'ai du monde qui sort de la porte nord, allez-y! Putain, tu n'as jamais l'affaire, enfoiré! J'ai su ce que t'avais fait, Nick! Jésus, ce que t'as fait à tous ces Reapers! Ouais! Que tu les avais noyés comme une putain de portée de rat! T'as franchement rendu service au monde. Mais je parie qu'Iron Mike n'a pas vu de cet œil, hein? Et je veux que tu saches. Je t'ai pas entendu. Vraiment pas dit, ok? Mais il m'a pas laissé le choix! J'ai essayé de te raisonner! Mais putain! Il voulait rien entendre! Tu vois? Il voulait rien entendre, rien! Et tu dois avoir sacrément envie de me tuer, hein? Pas vrai? Je suis venu jusque-là. Il est revenu pour elle. Hein? C'est ça? Ah! Il est revenu pour la nana? Eh ben, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi, dit comme Sir John. Quand Corrie t'a fait sortir, le colonel était pas super joyeux. Oh non. Alors il a brisé ta gonzesse comme un putain d'œuf. Crac! Comme un œuf! Schizo, entre ta mère. Ça finit aujourd'hui. Attends, j'ai pas d'armes, je peux rien faire. Oh là là. J'ai pas compris. Ils disent faire des. Pourriture! Je vais te bouger de mes propres mains, t'as compris? Non! Tiens, connard. C'est quoi, Schizo? À une époque,
J'aurais traîné ton cul jusque dans le No Man's Land. Et je l'aurais laissé en pâture aux mutants. Mais... je vais pas faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'écharperait. Morceau par morceau. Mais contrairement à moi, il s'y prendrait aucun plaisir. Tiens, salopard. T'es du mauvais camp, mon gars. T'as choisi. Il nous reste Sarah et le colonel, maintenant. Fermez tous vos gueules! Je sais ce qui se passe là dehors! Là dehors! À l'extérieur de l'arche! Mais ça ne nous concerne pas! Nous, on est en sécurité! Rien ne peut nous atteindre ici! Vous m'entendez? C'est Dieu qui a inspiré cet endroit! C'est une terre consacrée! On est en sécurité tant qu'on est à l'intérieur! On est en sécurité! Sécurité, mon gars. Je suis Deacon, hein. Quand et pourquoi? Mais j'ai eu une vision. Il y a un mois, peut-être. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Et je sais que nombre d'entre vous ont pu ressentir la même chose. Et je pense que si nous pouvions... Deacon ? Donnez-moi votre arme. Assis. Voilà, chez les colonel. C'est terminé, votre milice est battue. Voulez-vous hâter ? Je suis sûr que oui. Sarah, pourriez-vous servir une tasse de thé au drifter? L'arche était notre unique espoir. Vous en êtes conscient, bien sûr. Une fois le monde purifié, elle était la seule chose qui nous aurait permis de reconstruire. Tout était là, à l'abri, sauvé par la grâce de Dieu. Cela étant dit, nous n'avions pas réussi à trouver de pianiste, n'est-ce pas? Ça n'a plus guère d'importance. Il ne restera bientôt plus personne pour écouter la musique. Vous nous avez détruits. Vous avez réduit à néant tous nos efforts. Non, colonel, c'est vous. Quand vous avez déclaré votre maudite guerre sainte, vous savez, à choisir, colonel, entre vous et les mutants, je choisis les mutants. Eux, quand ils tuent, au moins, c'est pour bouffer. Et ils ne tuent pas de femmes désarmées. Non ! Ah, elle l'a empoisonné, ça. T'es revenu. Regarde-la. Oh. Allons-y. Oh, j'aurais préféré le mettre une main dans la tête, moi, c'est dommage. Bah, du coup, on a une femme moins violente. Comme quoi, faut faire attention à ce qu'on boit. Surtout qui nous sert. Installer une tente pour trier les blessés. Hey,
Hé, il y a une grotte par là. Tu trouveras des fournitures médicales, rassemble quelques hommes et vas-y. Toi, et toi, avec moi. Ricky ! Adi ! Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je peux vous aider ! Je suis médecin. C'est fini. Ceux qui n'ont pas été tués ou blessés par l'explosion se sont rendus. Où est Boozer ? Ricky ! J'ai besoin d'un coup de main ! La porte nord ! La porte sud ! Allez ! Ricky ! Ouais. Hey, j'espère que tu m'en as un peu. Oh, il est pas mort, putain, c'est bon. Boozer. Bah attends, on l'a pas vu sauter. Non. Ouais. Non. J'ai sauté, oh, salaud, moi. J'ai cru de camion. J'ai senti le souffle de l'explosion. Alors que j'étais sous l'eau, c'était une sacrée virée. Ah, mon salaud. Quoi? Tu croyais quand même pas que j'allais me faire sauter? Et qui t'aurait cassé les couilles? Moi. Hey, oh, salut. Petite sœur. Ouais, ouais, longue histoire. Alors, j'ai entendu que quelqu'un te cherchait. Ouais. Il avait que ce mot-là à la bouche. Ouais, enfin, l'écoute pas trop. C'était surtout son idée, en fait. Et qui a dit? Laquelle d'entre vous me sort de ce trou? Est-ce la fin? Bah, vu comment c'est, le camp il est détruit. Donc logiquement, 95%, on est censé être à la fin. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas la mission à 100%. Ah, ils sont en train de reconstruire le camp pour nous, on dirait. Il est à vous, l'ami. Alors, j'ai entendu dire que vous restiez pour reconstruire. Le colonel avait aussi de bonnes idées. Enfin, avant qu'il pète les plombs. Le deuxième à me dire ça. Qui d'autre? Coury? Vous savez quoi? Je l'emmerde. Hey. Il nous a abandonnés. Sans son aide, on serait tous morts. C'est ça, ouais. Je pense qu'on va recommencer à zéro sans tout le délire militaire. Hé, hey. Vous allez rater mon discours. Non, je pense que je m'en remettrai. Frérot, on a gagné. T'as réussi. Tu sais, j'ai vraiment cru. J'avoue, pendant un instant, j'ai vraiment cru que j'allais me faire sauter. Je te l'ai dit, moi, il y a truc à faire. Bon. Entre leurs vieux frères. Ouais, c'est parti. Jack serait fier. Je sais même plus c'est qui Jack. Chic, il appelait son petit chien Jack. On a réussi. Je sais plus c'est qui. Ah mince alors. Tu vois? Trop de mémoire. Ça vaut parfois le coup d'allumer un cierge. En fait, c'est plus un genre de feu de joie qu'un cierge, mais. Pas faux. Ouais. Il y a du monde, hein. C'est la première fois que je te vois faire un discours. Oh, arrête. Ce sera pas un discours. Ok. Lieutenant. Oh, merde. Arrête avec ça. Pourquoi ils arrêtent tous de parler, là? Bon, bah, ils t'attendent. À toi de jouer. Je sais qu'on a quasiment tout à reconstruire. Alors je vais tâcher d'être bref. J'ai rien d'un leader. C'est ça, ouais. Je me fous de ce que vous pensez, j'en suis pas. Mais... vous avez accompli quelque chose aujourd'hui. Tous ensemble.
On s'est unis pour combattre. Et pas parce qu'un connard nous l'a demandé. Mais parce que c'était la bonne chose à faire. Et vous savez quoi? On a gagné. Je vous ai vu galérer. Reconstruire. Je vous ai vu combattre pour sauver des vies. Pour protéger et nourrir la communauté. Je vous ai vu sacrifier tout ce que vous aviez. Tout ce que vous étiez. Pour apaiser cet enfer. Et c'est pour ça qu'on est en vie. Voilà pourquoi on est en vie. Parce que si on perd tout espoir d'avoir une vie meilleure, ou un avenir qui vaille le coup, alors pourquoi se battre? Vous savez, Iron Mike, il m'a dit un jour que nous façonnions le monde tel qu'il est par nos actions. Et qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? Vous voyez ça? C'est le tout premier pas. Je croyais que tu ferais pas de disco. Ouais, j'ai merdé. Alors. Disons que. Oh, c'est beau. C'était pas mal. Pour un motard. Tous méchants après ça, Litus. C'est vraiment. Un motard en la loi. T'es prête à prendre la route, ma jolie? Je sais pas, ça dépend. Où est-ce qu'on va? Partout où on voudra. Même eux, ils sont beaux. Ils font un beau couple quand même, quand tu regardes. Tadam, roulement de tambour. Finale, pas finale. Demi-finale. Allez, 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 allez. T'as pas de suspense avec les chargements là, putain. Toi, t'as la fin. Hop, un petit roulement de tambour. Et hop, ça lance le jeu. Non, chargement 3 piches. Mince alors. Ah! Enfin, au bout d'une demi-heure, putain de merde. On est à la fin du jeu, les gars. Je vais laisser cette petite cinématique. Donc, si vous voulez couper maintenant, allez-y. J'espère réellement qu'il va y avoir un deuxième. Je sais pas si c'est annoncé, si c'est prévu quelque part ou quoi. Mais l'histoire déjà est vachement intéressante. Il y a une bonne durée de jeu. Ça fait plaisir. C'est rare d'avoir des jeux comme ça. Ça fait un peu le même style qu'Horizon. On a un aspect dans l'ambiance. Il y a une histoire derrière. Il y a une progression, il y a une bonne durée de jeu, c'est pas les jeux que tu finis en 2 heures. Donc j'ai hâte de savoir si un deuxième va sortir un jour. Ça serait vraiment violent. Je sais que je le rachèterai à coup sûr, les gars. Je vous ferai un let's play, même pour ceux qui aiment pas le jeu. Je m'en fiche, je le ferai pour moi. Clairement. Un peu comme j'ai fait pour Horizon, les gens n'aimaient pas. J'ai fait pour moi, principalement. Après les autres, voilà. Les gars, laissez votre petit j'aime de fin. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Activez la cloche, très important. La musique, elle est violente, hein. Même la musique, tu sens qu'elle a une histoire. Quand même du monde qui ont travaillé sur le jeu quand tu regardes, hein. Énormément de monde. Still remains.
j'espère qu'on va pouvoir continuer un peu l'histoire quand même, bah, hein, pour améliorer nos armes ou autre. Même eux, ils sont beaux tous les deux. Il y a beaucoup de familles qui ont fait le jeu. Là, on regarde les Herman, ils sont deux. Les Jensen, ils sont deux. Les Park, ils sont trois. Et c'est beaucoup fait en famille quand tu regardes. C'est pareil, le Moine, ils sont deux. Looks like there's no way around. C'est cette partie, elle pas, dégage une émotion, elle est. Là, du coup, on a une autre. Est-ce que celle-là, on peut la passer ou pas? On peut pas la passer. Voilà. Hop, 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 hop. Reste ici, mon coucou. Bah, franchement, j'ai vu un peu les critiques du jeu avant d'y jouer. Comme quoi, entre guillemets, il était dégueulasse, qu'il y avait beaucoup de bugs, etc. Franchement, les gars. Bon, ok. L'IA est vraiment, vraiment pas intelligent du tout. Même que j'ai fait le jeu en difficile, je pense que le mode dément ou hardcore ou je sais pas quoi, je pense à peu près le même délire. Sauf qu'ils te font plus mal quand tu te mets, quand tu te prends une balle. Ça, on peut pas se dire, ils sont vraiment pas intelligents. La visée est un petit peu compliquée à prendre en main. C'est fluide, c'est droite, gauche, c'est un peu spécial. Après, dans l'ensemble, le jeu, clairement, il est propre. Clairement, il est propre. Donc, je comprends pas pourquoi les gens s'acharnent sur ce jeu et qu'ils mettent des mauvaises notes. Ouais, il est dégueulasse. Entre guillemets, une vraie daube. C'est des petits bugs minimes, tu vois, au niveau de l'arme, ça reste maniable, mais c'est vrai que c'est pas non plus facile. J'ai pas encore eu de bug traverser les murs ou des trucs invisibles ou des trucs comme ça. Ok, bon. Moi, si je mettrais une note sur le jeu, je mettrais pas 20 sur 20, puisqu'il est pas parfait. Loin de là, il y a quand même des petits défauts. Je mettrai un bon 17 et demi facile. Même peut-être voir un 18, tu vois, parce que c'est vrai que la visée c'est minime, comme j'ai dit. Donc ouais, je mettrai un bon 18 sur 20, c'est un très très bon jeu, la durée de vie est là. Hein. Clairement, c'est bien d'avoir un jeu où t'as 4 heures de mode histoire, mais ça c'est quand t'as un multi derrière. Là t'as pas de multi, donc forcément, ça reste propre, quoi. J'ai rien à redire. Vraiment rien. S'ils font un 2, j'espère que du coup ils corrigeront ces petits défauts de visée. La durée de jeu, s'ils mettent la même, franchement, ça me dérangerait même pas. S'ils mettent encore plus, ça me dérangerait même pas non plus, clairement. Ouais. Par contre, avec un petit peu plus de missions entre guillemets aléatoires, ça serait bien. Quand je dis aléatoire, c'est même au niveau des otages qu'on sauve. C'est tout le temps la même chose. Le dialogue, oui, merci de m'avoir sauvé, nanani, nanana. Et c'est pareil, c'est le même personnage, quoi. Le même. T'as soit le petit chinois, ou t'as le typé, parce que je crois qu'il était un petit peu typé. Typé avec sa petite cagoule verte, là, si je me trompe pas. Oh, MDR, Boozer derrière. Donc, toi, c'est pas.
trop répétitif, tu vois. Ils auraient pu changer les dialogues, mettre d'autres personnages, etc. Tu vois. On va avancer parce que je pense que celui-là va être très très long vu que c'est la fin. Voilà. Ça, c'est, tu vois, c'est un petit détail on va dire entre guillemets à la con. Mais tu vois, on peut avancer en laissant tous les pseudos décrits. Ça, c'est intéressant, tu vois. C'est pas t'attends, ou alors tu fais directement star, hop, tu passes. Parce que bon, certes, il y a beaucoup de noms, mais après, c'est normal. C'est exactement normal. C'est comme un film, les mecs se sont tués à faire le jeu. Parce que nous, on y joue, on critique, etc. Ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ci. Putain, mais les mecs, ils ont passé 2 ans à faire un jeu, tu vois. Donc, t'as quand même du travail, t'as de la recherche. Le scénario, c'est pareil, tu le fais pas comme ça en un petit claquement de doigts. Faut chercher le scénario, faut créer les personnages, faut modéliser tout ça. C'est du boulot derrière. Donc. Moi, je respecte les gens qui font les jeux vidéo, franchement. Ça, c'est un truc que j'aurais kiffé aimer. Malheureusement, je suis pas assez bon en dessin. Je touche un petit peu, mais reproduction, quoi. Pas dessin. Allez, entre guillemets, création. C'est un gros respect. Très gros respect. Allez, les partenaires. Ça, ceux qui ont créé les musiques, les images, et les artistes, et tout ce qu'il y a. Du monde, hein. Interactive, c'est énorme. Ils sont des milliers, des milliers, des milliers. Voilà. 2008-2019, je sais pas si c'est leur création qui a duré autant de temps ou si c'est la durée de le logiciel qu'ils utilisent. Ah, j'ai pas fait gaffe. Thank you Harley, etc. Donc, on peut s'y remercier la marque. Alors, on va découvrir du coup ce qu'on peut faire, si on peut continuer ou si on est obligé d'entre guillemets de recréer une partie. Ça serait dommage vu que j'ai pas fini les hors de rien du tout. Bon, je pense quand même qu'il doit y avoir entre guillemets un mode où on continue. Ça serait bête sinon. The end. On est monté level max dans le camp d'Iron Mike. 100% SSR. La petite moto des familles. Ouais. Pas mal. On débloque la masse, hein. Là c'est vraiment fin fin fin. Ouh, l'enflammée elle est belle. Il y a trop de déco, celle aussi elle est stylée. Ok. Alors, Death Gun terminé, félicitations, ok. Avec les mélisses, mais il reste encore beaucoup de boulot à faire. Ok, terminer d'autres scénarios et déverrouiller tous les objets rares. Continuez. What? Attends. Trouvez vos bagues. Il y a d'autres trucs à faire encore après la fin du jeu. Attendez, voir le scénario. Récupérer au camp, ouais. Chasseur de primes. Extermination. Ok. Oh, c'est logique. Oh bien. Tiens, on a encore des trucs à faire ici. Iron Mike 92%. On n'a pas fini ça, Iron Mike? Comment ça se fait? Donc on va devoir monter tout ça là au max. On a deux petites choses. On augmente largement le taux de récupération.
Bon bah du coup le reste on le fera en live. Je vais juste aller modifier la moto au niveau de l'esthétique du coup. Comment ça va? Et puis même je pense performance, on va pouvoir se mettre bien. On a que ça à faire maintenant. Donc on va essayer de se mettre vraiment bien. Performance. C'est pas de la camelote ça. L'argent va partir très vite, je le sens. Ça devrait durer un moment ça. On était déjà au max. Ah, c'est au niveau de l'autre camp. L'autre camp, on est vraiment. Il y a une pièce qu'on n'a pas. La masse de peinture. Oh, c'est propre, j'aime bien. Flamingo. Ah ouais, genre c'est Boozer avec nous au-dessus. Ok, ça, le temps que ça charge. Oh, je suis moins fan de celui-là. Ouais, pas fan du tout. Celui-là, je l'avais déjà vu, il me semble. Ouais. Écoutez, on va mettre le Flamingo. On va mettre le Flamingo. On va acheter la petite mitraillette que j'ai dit. À part si celle qu'on a gagnée, elle est mieux. Deacon, contente de te revoir. Blair, comment tu vas? Conditions militaires. Ah ouais, on est vraiment bien là. Ouais, sympa. Ok, qu'est-ce que je peux faire et pour du toi coup... Ok, c'est le même. Toi, j'allais acheter celui-là. Et du coup, on a eu le même en condition 4, attention. Donc largement plus puissant. Bon là on va se mettre bien. On va tout acheter. On se TP à l'autre planque les gars. Tu devrais sentir la différence. Et voilà. On va pas faire la mission, on va juste custom la moto. Ok. Ok. On attache les silencieux. 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 Ouais si ça. Petite téléportation au niveau du camp. On custom ça, on regarde un peu les armes et on se laisse là. Donc si vous êtes encore là, merci à vous. Si vous n'êtes plus là, ce n'est pas grave. Donc on sait jamais. Hein. Peut-être il y en a peut-être un qui a eu le courage de rester jusqu'à la fin. Ça ne serait pas impossible d'ailleurs. Faites-moi entrer. Ok, on va rentrer. Au début, je voulais partir à pied. Ah, on est que level 2 sur ce camp-là. Ah, c'est pour ça que je pense que j'ai pas... Ah ouais, il est vraiment détruit, chez détruit, il est ouf. Bon, on va aller chez le cuistot. Ok, on a monté un peu en confiance. Lui, au niveau des primes, on va lui revendre vraiment tout ce qu'on a. C'est pas beaucoup, 400. D'accord. 1000 et quelques XP. Revenez en un seul morceau, ok? Dick! La vache, chez le marchand. Était bien attaqué, non? Je suis content qu'on soit débarrassé de ce point. On a la RPD. Où tu tiens la boutique toi-même? Enfin, je veux dire, ça te manque pas, la hiérarchie? Ouais, sûrement pas. Je détestais la milice. Enfin, c'était sympa d'être nourri et logé, je dis pas. Mais maintenant, je peux me mettre une partie du pognon que je gagne dans les poches. Ben tiens. Okay. Au revoir, Dick. Et le petit mécano pour finir avant Salut, de se laisser. Dick. Quoi de neuf depuis la fin de la milice? Il a rien? Ça roule. J'aimais bien courir, tu sais. Il était bah mince. Et le colonel, lui, c'était un taré. Dick. Bon bah du coup, on peut pas améliorer la moto ici. Donc les gars... On va se laisser là. Merci à ceux qui se sont abonnés. Ça fait ultra plaisir, vous le savez d'avance. Laissez votre petit j'aime, abonnez-vous et on se dit à la prochaine.